Monseigneur Mazet a eu cette orientation, l'école. C'était un éducateur, il avait ça comme idée profonde, il faut éduquer la jeunesse. Il a consacré ses derniers sous à l'enseignement. Et quand je suis devenu évêque, avec les lois nouvelles, je n'ai pas eu tellement à m'occuper de l'enseignement. Il fallait suivre ce qui était en place. Et puis nous avions les frères, les sœurs, qui se sont très bien occupés de l'école. Et puis, Mgr Mazet aussi avait l'intention de favoriser absolument les vocations. Il en sentait vraiment la nécessité. Et j'ai retrouvé une lettre où il parlait de la création. Il ne disait pas un petit séminaire, il disait un séminaire. Et certainement qu'il avait déjà dans l'idée qu'un petit séminaire ne suffirait pas et qu'il faudrait un grand séminaire. Yeah.
assez craintif d'assumer une telle tâche. Et cependant, justement, j'ai dit à Mgr Mazé, j'ai dit, mais comment je vais faire? Et il m'a dit, vous avez votre frère. Et vraiment, c'était un peu prophétique, je savais qu'il disait vrai. Alors, Mgr Michel, avant même de venir ici, alors qu'il était encore étudiant, il voulait que, d'abord, son idée, c'était de rétablir les anciens ordres mineurs, portiers électeurs. Et il a fait une thèse dans ce sens. Et ici, il a tout de suite vu l'importance des catéchétas, il a vu ça dans les îles. Et donc, une de ses premières décisions, c'était la fondation d'une école des catéchétas, à partir de 1970. Et cette école a donné de très bons résultats. Les gens n'étaient pas très convaincus, disant, mais enfin, vous me proposez des diacres, mais c'est des prêtres qu'on veut. Et donc, au début, ils sont un poète. Les gens se demandaient, qu'est-ce que c'est que ça? Mais grâce, je pense, aux premiers diacres qui ont su ouvrir la voie, assez vite, ils ont été appréciés. Et surtout qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de gens qui ne parlaient pas français. Donc, ces diacres qui parlaient tahitien, on a découvert qu'il y avait place pour eux. Ensemble, nous pouvons vraiment faire une action de grâce à Dieu pour les vocations importantes que nous avons eues depuis 1984, date de l'édification du Grand Cimaire à Outumaoro. On peut le remercier. Ça veut dire que nous avons eu les professeurs nécessaires et capables d'expérimenter pour donner une bonne formation. Et puis nous avons les premières vocations. C'est-à-dire que maintenant il y a un presbytérium. Et c'est très important. Ça faisait un peu peur au début à des jeunes de Maori de devenir prêtres et puis d'être seuls. Tandis que maintenant, ils sont regroupés, ils peuvent s'entraider les uns les autres, ils peuvent former une communauté apostolique fraternelle. Lorsque Mgr Michel est devenu évêque, il avait à appliquer le Concile de Vatican II. Et certaines personnes lui ont conseillé un bon moyen, ce sont les synodes, de façon à impliquer tout le monde dans le renouveau de l'Église. Et il y a eu une atmosphère extraordinaire. Bon, ça a été préparé pendant 7 mois par le père Baronnet. Et là, on s'est retrouvés à Sainte-Thérèse tous les soirs, 3-4 jours de suite. On s'est retrouvés des gens de toute Haïti. On était heureux de se voir. Et en même temps, les gens se rendaient compte qu'on leur donnait de l'importance, on les consultait, on voulait travailler avec eux. L'Église n'était plus cléricale comme elle a été quelquefois, elle était vraiment participative. Je pense que là, les gens ont compris qu'ils étaient l'Église et que ils avaient tous une part à prendre dans la vitalité de l'Église. Alors, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui sont maintenant, on ne se rend pas compte que c'est là qu'on a pris ces décisions. Même des petites choses, par exemple le communiqué qui paraît toutes les semaines, c'est là que ça a été demandé, je ne sais pas si c'est le deuxième synode peut-être. Et par exemple, autrefois, dans les fêtes catholiques, les kermesses, on buvait de l'alcool, il y avait des gens qui étaient ivres, enfin c'était... Et le synode a dit... Plus d'alcool dans les fêtes catholiques. Oui, des choses pratiques comme ça qui ont été appliquées. Oui. Eh bien, il s'est passé dans notre diocèse ce qui s'est passé dans l'Église tout entière. C'était quelque chose qui n'était pas programmé. Nous avions fait 2 synodes déjà, qui avaient mis en marche un certain nombre d'institutions nécessaires dans l'Église. Et le mouvement charismatique a vitalisé tout ça. Revitaliser tout cela, nous avions besoin, parce que ce n'est pas quelque chose qui avait été décidé, c'est arrivé comme cela, par un groupe de pèlerins que mon frère a mené en France et ensuite à Jérusalem, et ils sont venus charismatiques, ça a été le début de
du renouveau. Et nous ne voyions pas peut-être suffisamment le rôle de l'esprit dans la vie chrétienne. Et encore une fois, ça a été comme dans l'Église universelle, il y a eu un concile, on n'avait pas programmé le renouveau. Il est arrivé pour vitaliser vraiment tout ce que l'Église faisait fait pour son aggiornamento, pour son renouveau de l'Église. On avait demandé un renouveau de l'Église, et voici l'Esprit Saint qui demande aux chrétiens, renouvelez-vous vous-même. Alors, oui. Moi je n'étais pas là quand le Père Tardif est venu, j'ai été témoin simplement à mon retour d'Amérique, où le Père Jules Guy m'avait invité à visiter la province des Oblats, et j'ai constaté que tout ce qui s'était passé est témoin des conversions, dans le niveau de la prière, ben je me suis dit, c'est le passage de Dieu. Succédant à Mgr Michel, qui avait été à la tête du diocèse pendant 31 ans et qui laissait une œuvre considérable, j'avais le devoir de veiller à ce que continue ce qu'il avait commencé. Adorez-le.
bénissez-le. Que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. L'Église dans le monde fait face à de graves menaces. Dans les derniers pays marxistes et dans les pays musulmans, elle rencontre une opposition systématique, allant jusqu'à la persécution. Dans les pays dits développés, elle est frappée de plein fouet par la sécularisation, dont les résultats sont dramatiques. On a vu s'effondrer la pratique religieuse, le nombre des baptisés diminuer, les vocations religieuses se raréfier, en même temps que se développer, au moins dans certains pays, une hostilité déclarée de la part de tous ceux qui rejettent la morale chrétienne, que l'Église défend avec courage. Ne croyons pas que nous allons échapper à ces influences sécularistes et matérialistes. Déjà chez nous, nous assistons à une baisse de la pratique religieuse. Nous constatons qu'un nombre important de personnes ne sont baptisées dans aucune confession religieuse. Les vocations sacerdotales et religieuses arrivent au compte-gouttes. Quelle doit être la réponse? Il n'y a pas à hésiter, la réponse doit être une évangélisation massive. Nous pouvons freiner et même inverser la tendance par l'évangélisation, la nouvelle évangélisation. Cette année 2016 sera également pour notre diocèse de Papeete l'occasion de célébrer les 50 ans de son existence. C'est en effet le 21 juin 1966 qu'il a été reconnu comme tel par le pape Paul VI. Ce sera donc pour nous l'occasion de nous souvenir du chemin qui a été parcouru depuis. L'occasion de remercier le Seigneur pour les avancées, pour ceux et celles qui ont œuvré à la vie de notre Église. Ce sera aussi l'occasion de resserrer nos liens fraternels et faire grandir la communion entre nous et de prendre davantage conscience que nous appartenons à une famille qui dépasse de loin les frontières de nos paroisses et de nos chapelles. Ce sera enfin l'occasion de regarder l'avenir avec confiance, de regarder les défis qui se dressent devant nous, les chantiers où nous sommes attendus, la mission qui nous a été confié par le Christ, être par notre témoignage le levain dans la pâte, être le sel de la terre et la lumière du monde. Pour conclure, je voudrais vous rappeler ces paroles adressées à l'aveugle de Jéricho après que Jésus l'eut appelé. Aie confiance, lève-toi, il t'appelle.